Clôture aujourd'hui du test national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 2 millions d'élèves finalistes ont affronté pour la deuxième et la dernière jour les épreuves de mathématiques et de culture générale. Cinquième prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu à la Chambre basse du Parlement. L'heure est à l'évaluation de défense et sécurité a entamé les travaux ce vendredi. Quelle procédure pour les infractions de droit militaire congolais? Comment dire le droit pour cette justice spécialisée? Dans ce journal, nous allons feuilleter avec vous l'ouvrage de Maître Franck Moulenda intitulé « Les commentaires du droit pénal militaire ». Et comme chaque vendredi, la tradition a été respectée. Le gouvernement a tenu sa réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. Été évoqué. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. 42 quartiers en milieux ruraux et périurbains viennent d'être éclairés et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lui-même qui a procédé au lancement de cet éclairage public à Mikondo. Nous allons vous proposer les détails dans nos prochaines éditions. Le chef de l'État tient à faire respecter scrupuleusement la réglementation et à déployer tous les efforts nécessaires à la préservation du pouvoir d'achat de la population, tant sur le plan conjoncturel que structurel. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a signifié au ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba-Yuma alors qu'il le recevait dans son bureau de la Cité de l'Union africaine. Ce warrior de l'économie a eu tout le soutien du chef de l'État dans son combat du juste prix. Pierre Kibambisomoïsa. Le travail en cours au sein du ministère de l'économie nationale lié à la rationalisation des structures des prix des produits de première ainsi que celle des tarifs des services aériens sous la supervision du Premier ministre était en toile de fond des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba-Yuma. Le chef de l'État a souligné la nécessité de faire respecter scrupuleusement la réglementation économique et de déployer tous les efforts pour la préservation du pouvoir d'achat de la population tant sur le plan conjoncturel que structurel. Le ministre de l'économie nationale a annoncé au président de la République de la structure des services aériens. La baisse des prix dans ce secteur sera entérinée par un arrêté ministériel dont la signature interviendra dans les prochaines heures, a précisé le ministre Jean-Marie Kalumba. Sando a soutenu le programme de développement de la RDC selon la vision du chef de l'État. Les notables de ce coin, de ce territoire de la province de Lualaba expriment également leur gratitude à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir élevé l'une des leurs, Adel Kaïnda, comme ministre d'État, ministre du portefeuille. Une forte délégation des notables est allée dire de vive voix au président de la République, Kibambe Somoïsa. Sincères et vifs remerciements ont été adressés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par une forte délégation des notables de Sandoa venus de ces territoires du Lualaba profond suite à l'élévation de leur digne fille à la personne de l'honorable Adel Kaïnda au rang de ministre d'État en charge du portefeuille. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont remis au chef de l'État quelques cadeaux symboliques. Ces statues que nous avons représentent en pirogue, c'est comme quelqu'un qui est de l'autre côté de la rivière, il cherche qui peut le traverser de l'autre côté. Alors cela signifie la maman princesse était de l'autre côté, on cherchait avec ses colis comment traverser la rivière. C'est pourquoi vous avez été là, avec votre courage, vous l'avez aidé, vous l'avez élevé, c'est pourquoi nous vous présentons cette pirogue. L'image aussi de l'éléphant, c'est pour dire que l'éléphant a une mémoire qui n'oublie pas. Ouais, et vous avez la mémoire de la République démocratique du Congo depuis le combat que vous avez mené. Dès que l'éléphant passe, l'éléphant laisse des empreintes.
Alors vous, vos empreintes, ce sont vos réalisations que vous êtes en train de poser pour notre pays. Selon la délégation, il s'agit d'une fierté pour la population du territoire qui se voit honorée par la nomination de celle qu'elle appelle la princesse Adèle Kanyinda Maina à ses hautes charges d'État. Sandoa réitère son soutien au vaste programme du chef de l'État relatif au développement du pays, atteste la ministre d'État en charge du portefeuille. Nous sommes très très honorés parce que nous venons de voir un le peuple d'abord. Seulement le peuple de grande agglomération, il vient de recevoir la population qui vient de l'arrière-pays. Et ça, c'est du premier dans notre pays. Nous allons l'accompagner et il va réussir son action. Le bilan qu'il aura à présenter en 2023 ne sera pas un bilan mitigé. Ça sera un bilan concret. Parce que c'est ce bilan qui va lui porter encore à l'étendard pour sa réélection de 2023. Nous l'avions dit au début de ce journal et vous l'avez suivi avant ce journal, 42 quartiers en milieu ruraux et périurbains viennent d'être éclairés et la population de cette partie de la capitale s'est exprimée et surtout a exprimé sa gratitude au président de la République. Regardez. Vu du ciel, on se croirait à l'intérieur du pays. Et pourtant, nous sommes en plein Kartenji Librasserie, commune de Lantsele à Kinshasa. Connu comme le principal pourvoyeur des légumes d'une bonne partie de la capitale, ces faubourgs de la périphérie nord-est de la capitale vit dans le ténèbre depuis des décennies. Il n'y a ni eau de la soucieux d'améliorer le vécu quotidien de ses concitoyens en leur donnant accès à l'eau et à l'électricité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a choisi d'expérimenter dans ce quartier le projet pilote d'électrification par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques ruraux, ANSER. Ce vendredi soir, ces panneaux photovoltaïques vont éclairer la grande artère et les bénéficiaires sont déjà dans l'allégresse. Depuis l'existence de ce quartier, je n'ai jamais vu l'éclairage public. C'est une première et contente. Nous sommes très contents de savoir que le chef a pensé à nous par ce projet des panneaux photovoltaïques, dit cet homme. D'autres encore restent sceptiques. Ils attendent de voir pourquoi et leur souhait est que ce projet s'étende jusqu'à leur foyer. Ce qui vraiment le chef donc à vraiment. C'est une belle initiative, mais nous devons voir cela se réaliser avant de jeter de fer au président de la République. La population souffre énormément des manques d'électricité et de l'eau potable, dit cet homme. Nous avons besoin de voir nos maisons éclairées, comme sur la route principale. L'obscurité est un frein pour le développement dans cette partie de la ville, dit cet homme. Ce projet s'appelle Mwinda Epela. C'est un concept en fait. Qui vient se greffer sur la volonté du président de la République de pouvoir faire accéder les près de 15 millions de personnes à l'électricité d'ici l'échéance 2024. Ce projet pilote devrait s'étendre national. Ainsi, les statistiques d'accès à l'eau et à l'électricité vont s'améliorer. Une cinquième prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, il faut remettre la pendule à l'heure. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a décidé d'évaluer ce qui a été fait. Le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des FARDC étaient devant les députés de cette commission. Ricky Nzuzi et Sylvie Moembo en sinistre. Au jour des travaux, la commission de défense et sécurité de l'Assemblée du Parlement a procédé à l'audition du ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qu'accompagnait son vice-ministre et du chef d'état-major général des FARDC, Mbala Moussense, ainsi que quelques officiers généraux impliqués dans les opérations. Bertin Mubonzi, président de la commission défense et sécurité, a martelé que, pour des raisons des sensibilités, des complexités du dossier, le bureau de l'Assemblée nationale a initié ses contacts directs. Au besoin d'avoir une idée assez claire de l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri afin d'y mettre fin à l'insécurité cyclique.
Ça s'est passé dans un climat de sérénité, changé sur plusieurs sujets, et il va revenir dans 48 heures pour répondre à certaines préoccupations des honorables députés. Et nous reviendrons ici le lundi pour recevoir la ministre de la Justice et poursuivre avec les différentes auditions. Une façon donc pour les élus du peuple de comprendre qu'est-ce qui a été déjà fait, comment cela a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pour quelles raisons. Bref, un bilan global. 3 mois après cette mesure soit entrée en vigueur sur la liste d'attente, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice. Un nouveau bâtiment va bientôt voir le jour à Bounia en Ituri. Le gouverneur militaire Johnny Nouboyan-Kachama a procédé au lancement des travaux de construction avant d'inspecter les troupes. C'est un reportage de la RTNC Bounia. Militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Nouboyan-Kachama Johnny a effectué une mission d'inspection des troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire des Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise au débit de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire à Ituri a posé la première pierre pour la construction des 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire du Rumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à l'être de la volonté manifestée du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Rappelons, dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bounia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bounia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ses bâtisseurs. Les hommes en uniforme sont les principaux justiciable devant les juridictions militaires, mais comment dire le droit pour cette justice spécialisée? Quelle procédure pour telle ou telle autre infraction de droit militaire congolais? Maître Franck Moulenda a eu le temps d'aborder tous ces points dans son ouvrage intitulé « Les commentaires du droit pénal militaire congolais ». Le vernissage de ce livre a eu lieu hier à Kinshasa. Bobete Ngalisamba, reportage. Les commentaires du droit pénal militaire congolais est désormais disponible sur le marché du livre. L'auditeur général, le général Likoulia, l'a baptisé ce jeudi des militaires et habitués à la juridiction militaire. Que l'éternel Dieu des armées, amen, le bénisse abondamment. Amen. Selon le professeur Longonia, présentateur de l'auteur, Maître Franck Moulenda dépeint son expérience professionnelle au service des prévenus militaires de rang des officiers subalternes, sous-officiers, officiers et officiers supérieurs. Il recommande ce manuel de droit pénal spécialisé aux praticiens de droit et aux étudiants, dont la contribution est sans nul doute celle d'asseoir une justice militaire digne à tout égard. Par exemple, que le président peut émettre un mandat d'amener, ce qui ne peut pas être fait en droit commun. Il existe par exemple la décision de renvoi. Ce sont là autant des particularités de la justice militaire que j'ai voulu que les avocats, les magistrats militaires, les professeurs s'imprègnent de ça pour que, qu'ils fassent avancer le droit pénal militaire. Dans la présentation du livre, le professeur Abirou a mis un accent particulier sur l'organisation et la compétence des différentes juridictions militaires. Il a en outre épinglé les particularités de la procédure pénale devant les juridictions et parquets militaires, les infractions prévues dans le code pénal militaire et leur répression. Le professeur Nyabirungu a recommandé également cet ouvrage de plus de 600 pages aux hommes de droit appelés à se former en permanence sur la justice pénale militaire congolaise. Ils étaient plus de 2 millions d'élèves finalistes de cycle primaire à participer au test national de fin d'études primaires TENAFEP sur toute l'étendue de la
Ce vendredi, au dernier jour, les élèves se sont confrontés aux épreuves de mathématiques et culture générale. D'après les statistiques, 47% des filles y ont participé. Suivez ce qu'a été le déroulement du TENAFEP à travers les provinces de la RDC dans un condensé signé Oscar Mbalkaïch. Certains de ces bleus et blancs vont franchir les Rubicons. Ils vont bientôt dire au revoir à l'école primaire et bienvenue aux études secondaires. Les épreuves des mathématiques et culture générale ont sanctionné cette liste nationale des fins d'études. En dépit de quelques poches d'insécurité, la province de l'Ituri a aligné plus de 46 000 élèves finalistes du primaire. Les épreuves se sont déroulées dans la sérénité. Les vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires adjoints a fait la ronde de quelques écoles de Bounia pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves. Le commissaire divisionnaire adjoint Alonga Boni Benjamin a invité les parents à envoyer leurs enfants à l'école en lieu et place des groupes armés. Même ambiance dans la province de la Chuapa. Près de 28 000 candidats, dont 13 000 filles et 15 000 garçons, ont passé ces épreuves nationales. Le vice-gouverneur de la Chuapa, Toussaint Elessé, qui a présidé le lancement tout comme la clôture de ces tests nationaux, a encouragé les élèves en les invitant à avoir confiance en eux-mêmes. Dans la province du Haut-Ouélé, c'est le gouverneur Bassiane Nanga qui a pris en charge l'acheminement des mâles contenant les items à travers les 6 territoires, ce qui a permis aux 33 000 élèves candidats à l'ENAFEP de passer ces tests dans les meilleures conditions, au grand bonheur du ministre provincial de l'Éducation, Françoise Azaro. D'autre part, la province du Kwilu a aligné pour ses épreuves nationales pour l'année 2020-2021 plus de 60 000 élèves finalistes du cycle du primaire dans tous les territoires et chefs-lieux de la province, soit 49% des filles et 51% des garçons. Des épreuves organisées sous la supervision du gouverneur Ichwandala Hassan. Et le Conseil national de la jeunesse aura bientôt une nouvelle équipe dirigeante. L'Assemblée générale de élective vient de s'ouvrir à Kisantu dans la province du Congo central et c'est le ministre Yves Bunkuluzola qui a procédé à l'ouverture des travaux. Edith Chala. Chaque 3 ans, la 5e Assemblée générale du Conseil national de la jeunesse a attendu 6 ans pour se tenir. Une réussite qui doit beaucoup au ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, Yves Bunkuluzola. À Kisantu, dans le Congo central, les jeunes des conseils provinciaux venus de toutes les provinces de la République, ainsi que ceux des mouvements associatifs, ont la responsabilité de mettre en place un nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse et élaborer une feuille de route pour les 3 prochaines années. En autorisant la tenue de ces travaux, les plus hautes instances du pays ont recommandé que ces activités puissent se passer dans la quiétude et dans la paix. Comme indiqué précédemment, les travaux que nous sommes sur le point de lancer visent premièrement le renforcement des capacités des différents responsables provinciaux, mais aussi leaders des jeunes dans le milieu associatif. C'est pour moi l'occasion aussi de dire merci au bureau sortant qui, pendant 6 ans, ont conduit la destinée de la jeunesse congolaise. À cette cérémonie d'ouverture, plusieurs officiers, parmi elles, le gouverneur du Congo central, la secrétaire générale à la jeunesse, ont pris part. Des séminaires de mise à niveau et de renforcement des capacités des professionnels de médias seront organisés à Kinshasa dans les tout prochains jours. L'UNPC en a fait part au président du Sénat. Modeste Bahati a aussi échangé avec une délégation des investisseurs désireux d'œuvrer dans le secteur de la télécommunication. Regardez. Le cahier de charge de l'UNPC Kinshasa et sa nouvelle équipe dirigeante ont été présentés au président du Sénat ce vendredi. La délégation conduite par Jean-Marie Kasamba, président de l'UNPC Kinshasa, a fait part à Bahati Lukwebo des différents projets liés notamment à l'organisation des séminaires des mises à niveau et renforcement des capacités des professionnels des médias membres de l'UNPC Kinshasa.
Modeste Baati, qui a toujours avec la presse, leur a dit sa disponibilité. La presse de Kinshasa, représentée par son comité directeur, a vivement remercié le speaker de la Chambre haute du Parlement. Le président du Sénat nous a prodigué des conseils, nous a manifesté de sa disponibilité à travailler avec nous pour échapper à tout ce qui est un fox, mais surtout à la disponibilité de nous aider sur le plan de la logistique, parce que la presse des accès à l'information. Des réunions sont prévues avec ces services et donc, encore une fois, c'est l'occasion de le remercier. Aussitôt après, le président du Sénat a eu un tête-à-tête avec une délégation des investisseurs dans le domaine de la télécommunication conduite par le directeur général de la SCPT. Didier Mouzété est venu faire part au président de la Chambre haute du Parlement du contrat de partenariat signé entre son institution et la société Hermès Holding. Partenariat qui consiste en l'installation de la fibre optique entre Kassindi dans la province de Nord-Kivu et la ville de Bukavu au sud. La société a dans sa JBCR une coquette somme, 35 millions de dollars, pour la réalisation de ce projet et compte également réhabiliter la fibre optique installée entre Kinshasa et Mwanda dans la province du Congo central. L'Espagne veut renforcer ses relations bilatérales dans le domaine parlementaire avec la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de ce pays accrédité à Kinshasa l'a fait savoir au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiampwanga, Sylvie Moyo et Jérémy. La République démocratique du Congo et l'Espagne alignées pour renforcer les relations bilatérales. Cette volonté commune a été exprimée à la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodiampwanga, qui recevait Carlos Robles, ambassadeur d'Espagne en poste à Kinshasa pour le renforcement des relations bilatérales RDC-Espagne. Le diplomate espagnol mentionne que c'est une relation très amicale et qui va très bien et en même temps, les efforts sont fournis de part et d'autre pour l'améliorer. On a parlé aussi de la relation bilatérale entre l'Espagne et la RDC qui traditionnellement est une relation très amicale qui va très bien. De nos efforts pour améliorer la relation, des efforts qu'on fait pour qu'il y ait plus des entreprises espagnoles ici, de possibles contacts entre le Parlement espagnol et le Parlement de la RDC. Les échanges entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et les diplomates espagnols ont également tourné autour de la pandémie de COVID-19. Je dois dire que j'ai été vacciné ici. C'est très bien passé, je suis très content. J'ai déjà un document congolais qui a été reconnu en Espagne. On a parlé de ça, on a parlé des efforts de mon pays pour collaborer avec d'autres pays du monde dans la vaccination. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, s'est pour sa part montré très intéressé d'examiner ensemble toutes ces possibilités de renforcer davantage la coopération entre les deux États. Une délégation des parlementaires congolais séjourne en Zambie, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabund. Cette délégation a visité le mausolée des anciens chefs d'État zambiens. Regardez. C'est ce jeudi 5 août 2021 que la délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabund Akabund, est arrivée à Lusaka en Zambie pour une mission d'observation des élections présidentielles, législatives et locales qui se dérouleront le 12 août prochain. Accueilli à l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka par la délégation de l'ambassade de la Corporation des médecins congolais et trois représentants de la Fédération UDPS Zambie en tenant compte des mesures barrières. Cette mission se déroulera pendant 10 jours et la délégation des élus de la RDC est constituée des députés nationaux et sénateurs, membres du forum, des parlements, des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund Akabund, a aussitôt entamé sa mission ce matin par la capture
et identification de sa délégation pour l'obtention des accréditations d'observateurs des élections prochaines en Zambie. Il sera ensuite reçu par le président de la commission électorale. En tant qu'observateur, nous avons été accrédités aujourd'hui. J'ai profité de l'occasion pour rencontrer le président de la commission électorale de la Zambie. Et nous avons eu un entretien très fructueux parce que nous avons fait le tour de la question. Nous avons pu analyser, selon les informations qu'il a pu mettre à notre disposition, et analyser la situation électorale ici en Zambie. Mais nous sommes confiants parce que un pays a une position politiquement stable aussi. Cette première journée de mission du vice-président de l'Assemblée nationale a été marquée par une visite du mausolée des anciens chefs d'État zambiens. Et en visite à Kinshasa, Idriss Mangala, le gouverneur intérimaire de la province de Maniema, a échangé avec le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, au menu la situation économique dans la province de Maniema. Regardez. La structure économique de la province de Maniema, les problèmes à la baisse du frais de fonctionnement de cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Et en bon fils du terroir, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Yuma, a voulu se renseigner auprès de celui qui gère la province au quotidien, le gouverneur Idrissa Mangala. Les problèmes d'ordre sécuritaire dans le territoire de Kabambaré ainsi que la construction de plusieurs écoles dans cette partie de la République ont aussi pris une part belle au menu. Gouverneur n'a pas manqué de mots pour s'exprimer devant la presse. Le Maniema est confronté par plusieurs problèmes. En tant que fils du terroir, d'abord nous avons parlé, nous sommes entrés dans le problème qui concerne l'économie de la province du Maniema. Il a été attentif et il m'a beaucoup écouté. D'abord à ce qui concerne le frais de fonctionnement de la province du Maniema qui a été revu à la baisse. Il a dit et il a appelé immédiatement, il vient de trouver la solution. Ce qui posait problème à ce qui concerne les frais de fonctionnement, il a appelé son collègue le ministre des Finances ainsi que le ministre du Budget, il a trouvé solution. Et à ce qui concerne le problème de la sécurité, parce que chez moi j'ai organisé une caravane de la paix pour ramener la paix dans le territoire de Kabambaré, il m'a appuyé à 100% et il a insisté qu'il va m'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à ce que la paix sera rétablie dans le territoire de Kabambaré. Les échanges entre deux fils de Maniema ne peuvent servir qu'à trouver des solutions aux différents problèmes qui minent le développement du Maniema. Déterminé à avoir un personnel compétitif, le directeur général intérimaire de la RTNC, Freddy Moulumba, poursuit avec la série de formations des agents et cadres de ce média public. Une équipe des journalistes reporters vient de finir sa formation. La cérémonie de remise de brevet a eu lieu aujourd'hui. Edith Chala. Au bout des 10 jours, une dizaine de journalistes de la direction des informations TV de la RTNC ont accru leur sur la pratique de reportage. Dans cette démarche, l'expertise des deux formateurs de l'Institut congolais de l'audiovisuel, le ICA, Faustin Fouassa Tomissa et Adrien Diavanga, a été mise en profit. Les étudiants disent plutôt conscients d'avoir de nouveau acquis des réflexes d'un bon reporter. Cette formation pratique du reportage va nous aider à améliorer davantage notre travail parce que nous, les historiens du nous représentons les publics empêchés, nous sommes appelés à relayer les faits vécus pour que les publics soient toujours informés. Ça fait longtemps qu'on a quitté l'université et là, on vient encore de nous rafraîchir la mémoire avec la pratique du reportage. Comment il faut faire le reportage, la pratique du reportage, l'histoire des acteurs, l'isolement de l'essentiel. Un pas vers l'excellence, a dit le directeur général à l'intérim de la RTNC, Freddy Moulumba Kabwayi, initiateur de cette série de formations. Vous êtes mieux formés et cette fois-ci on verra autre chose dans les reportages. Nous pensons que ce sont les meilleurs qui pourront faire de bons reportages
pour que l'image de notre entreprise change. Cette mise à niveau est un plus-value non seulement au travail quotidien des reporters, mais aussi pour le journal télévisé. Vous avez là reconnu le timbre vocal de Béatrice Chaco. La famille Ilunga informe les agents et cadres de la RTNT a mis connaissance qu'un culte d'action de grâce pour la levée du deuil d'Ernest Kabila Ilunga est prévu ce samedi 7 août 2021 à 14h, lieu église luthérienne au Congo, 6 avenue Bukama numéro 180 dans la commune de Lingwala. Fête à Kinshasa le 5 août 2021 pour la famille Marceline Kabila. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez tout à l'heure sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Robert Daïgrand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bon tour de programme sur la RTNC et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.